La grossesse est l'une des phases les plus heureuses de la vie d'une femme, mais elle peut avoir son propre ensemble de stress mental et physique. Maintenir un régime alimentaire sain pendant la grossesse est très important. Pendant ce temps, votre corps a besoin de nutriments, de vitamines et de minéraux supplémentaires. Choisir des aliments sains et nutritifs aidera à assurer votre santé et celle de votre bébé. Voici le top 10 des aliments que nous recommandons fortement de manger pendant la grossesse pour un bébé en meilleure santé. Numéro 1. Légumes à feuilles vertes. Des épinards ou lentilles en passant par les légumes feuilles riches en acide folique, la consommation de fruits et de légumes est importante pour protéger le cerveau de votre bébé des dommages au tissu. Assurez-vous de laver tous les fruits et les légumes avant de les couper car les germes pénètrent dans la chair après la coupe. L'acide folique dans les légumes est également connu pour réduire le risque d'anomalies du tube neural, en éliminant les fentes labiales et diverses anomalies cardiaques chez les bébés. Vous réduisez également le risque de prééclampsie pendant la grossesse en prenant des aliments ou des suppléments riches en acide folique. Numéro 2. Poisson. N'importe quelle quantité de poisson est utile et ce produit doit figurer dans votre menu hebdomadaire, même si vous n'êtes pas enceinte. Toutefois, si vous l'êtes, choisissez des acides gras oméga-3 comme vitamine ou comme poisson. Ce produit naturel est riche en acides gras dont notre corps a tant besoin, et ces acides peuvent également influencer votre futur enfant en améliorant le développement de son cerveau. Numéro 3. Brocoli. Le brocoli est riche en potassium, fer, folate, vitamine A, C et K. On sait également que le brocoli contient des antioxydants et renforce le système immunitaire. Les femmes enceintes qui consomment fréquemment du brocoli réduiront le risque que leur bébé naisse avec un faible poids à la naissance. Numéro 4. Baies. Les baies sont remplies d'eau, de glucides, de vitamine C, de fibres et d'antioxydants sains. Ils contiennent généralement de grandes quantités de vitamine C, ce qui aide votre corps à absorber le fer. La vitamine C est également importante pour la santé de la peau et la fonction immunitaire. Les fraises, les framboises, les mûres, les tomates et les artichauts sont d'autres solutions de remplacement. Numéro 5. Lait. L'ajout de lait à votre régime alimentaire pendant la grossesse assurera le bon développement des os de votre bébé et contribuera également à la santé et à la formation de son cerveau. Le lait, en revanche, est bon pour le développement du fœtus. Le lait contient de bonnes quantités de calcium, de protéines et de vitamine D. Le calcium aide à renforcer les os et les dents de votre bébé. Il aide également le cœur, les nerfs et les muscles à se développer. Numéro 6. Œufs. Les œufs sont riches en choline, une vitamine importante de la famille du complexe de la vitamine B. Des études ont montré que la consommation d'aliments contenant de la choline pendant la grossesse était très bénéfique pour le bébé en développement et avait des effets bénéfiques à long terme sur la mémoire de l'enfant. Numéro 7. Amandes. Mangez des amandes et votre corps, ainsi que votre bébé en croissance, recevra de la vitamine E, des protéines, du magnésium, des oméga-3, du calcium et des fibres. Les protéines des amandes sont utiles au développement du bébé, alors que le calcium et le magnésium sont nécessaires au développement des os. Numéro 8. Haricots et lentilles. Les haricots et les lentilles sont d'excellentes sources de protéines et de fer, ainsi que de folate, de fibres et de calcium. Et les haricots regorgent également de zinc. Les haricots contiennent un tas de minéraux favorables aux bébés et aux mères, que l'on trouve dans les produits d'origine animale. Ils constituent donc une excellente option pour les futures mamans végétariennes et végétaliennes. Les haricots sont également riches en zinc, un minéral essentiel lié à un risque moins élevé d'accouchement prématuré, à un faible poids à la naissance et à un travail prolongé. Numéro 9. Yaourt. Votre bébé a besoin de calcium pour la croissance de ses os. Vous en avez besoin pour garder votre corps fort et pour aider vos muscles et vos nerfs à fonctionner. Le yaourt contient autant de calcium que le lait. Il contient en outre des protéines et du folate. Les cultures actives dans le yaourt peuvent également aider à prévenir les maux d'estomac ainsi que les infections à levure, qui sont plus courantes pendant la grossesse. Numéro 10. Patate douce. La patate douce est une très bonne source de bêta-carotène, qui est convertie en vitamine dans le corps et qui est essentielle à la croissance des cellules et des tissus. La vitamine A contribue également à renforcer l'immunité et à améliorer la vision. Donc, manger plus de patates douces peut être bénéfique à la fois pour la mère et le bébé à naître. Pour un bébé en bonne santé et intelligent, vous devriez avoir une alimentation saine et équilibrée.
en vous remerciant de regarder. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, partagez-la aussi avec vos amis. Pour plus de conseils santé, abonnez-vous à notre canal.